Alors on a eu la chance de pouvoir faire Road to Bodyzoy Wrestling 3, notre premier taping sans public, et ça s'est super bien passé. Les fans étaient présents, vous étiez là nombreux sur le live, donc on s'est dit on peut pas arrêter là, on va faire un deuxième, et là donc Bodyzoy 3 en taping. Malheureusement on voulait le faire avec vous, mais Covid, tout ça, on peut pas, donc on veut pas vous abandonner, on veut pas ne rien faire pendant des années, donc on vous offre ce show, on l'offre vraiment pour vous, donc on compte sur vous pour soutenir Bodyzoy et Bodyzoy Wrestling 3. Et on a vu les petits détails à changer, et là ça va vraiment, mais vraiment envoyer du lourd. Le catch francophone, il était là, maintenant il est là. Bon, est-ce que déjà tout le monde est là? Bon, yeah, ça va pas avoir de réponse à ça, mais je pense que oui. Ouais, tout le monde est là. Is everyone here? Here. Crimson. Yes, he's here. Ok, ok, bah déjà merci beaucoup tout le monde d'être venu ici et d'avoir répondu présent pour notre nouvel enregistrement. Merci beaucoup à vous. Déjà, est-ce que tout le monde avait lu le PDF avant que j'avais envoyé? Yes. Donc vous êtes déjà à peu près au courant donc, de tout ce qui va se passer. Yes. Je vais refaire quand même un tour, histoire que ce soit clair pour tout le monde. Oh oui, mes amis, on est ici à Bodyzoy Wrestling numéro 3. Tom Larufa, première apparition à Bodyzoy. Franchement, respect total quand je vois le niveau de production, les talents qu'ils font venir. Tom Larufa, déjà. Rien que ça, ça vaut le coup de regarder. Et non, je rigole pas. Et non, franchement, ça fait plaisir de voir que dans ces temps super difficiles, où les choses sont un peu bah, tout, en fait, l'industrie, et le business, le sport, appelez ça comme vous voulez, et c'est un peu en arrêt. En attendant, il y en a qui se sortent les doigts, si on peut dire, et qui font vraiment un produit de qualité. Donc, on est tous motivés, on va tous se défoncer pour le public, pour que si un jour, mais on croise les doigts pour que ça arrive, les fans peuvent revenir dans les salles, et ben vous viviez l'expérience Bodyzoy Wrestling en personne, parce que oh oui, Tom Larufa est de la partie et ça va durer. Nous c'est Flock Service, on est sponsor du show Bodyzoy. Nous ce qu'on fait c'est qu'on a offert tout ce qui est les t-shirts, donc tout ce qui est les vestes pour les membres fondateurs, les t-shirts pour tout ce qui est catcheur, membres du staff. On fournit également les bâches pour le show parce que une salle qui est agrémentée de bâches, ça fait directement la différence. Et puis voilà quoi, on peut dire que tout ce qui est vestimentaire, bâche de ring, etc., ça passe par Flock Service, on s'occupe de ça. Et Bodyzoy, ce sera la crème. Flock Service, c'est les big boss. C'est les big boss, c'est moi qui le dis. Flock Service, là, Flock Service, on fait apparaître. Tu mettras, t'as du travail. Flock Service. Voilà, tout est dit. Alors là, actuellement, on est dans les coulisses de Bodyzoy Wrestling 3 pour leur nouveau show. Alors, j'ai été contacté avec eux pour pouvoir participer à ce show et pour pouvoir enfin affronter Senza Volto depuis le temps que je le cherche sur les réseaux et qu'on a des petites comptes à régler, lui et moi. Voilà, Bodyzoy Wrestling, c'est sûrement le meilleur roster européen actuellement. Et en temps de Covid, c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir remonter sur le ring et pour pouvoir être assisté avec ce professionnalisme qu'ils ont et voilà, l'ambiance est super, là, tout le matos est génial et les équipes sont au top. Tu veux quoi toi? Est-ce que t'as un problème? Il y a que moi qui descendrai et après qui irait là. Ok, en zoom ou pas? Ouais, vraiment zoomé. Ouais. Zoom, alors de tête jusqu'où? Bah, donc, là, tu fais peut-être un plan complet, donc de Tom quand il monte sur le front, et quand après il parle à Maureen, genre vraiment sur la tête de l'écran, lui il prend tout ça là, et elle. Ok. Un micro, je pense. Bon, on fera des screens de cam, c'est pas grave. Super. Allez, go. Deuxième, Doc.
Battle Bro. Doc, il se prend un crossbody, je le prends en finish 1-3. Ah oui, oui, d'accord. Mais c'est juste qu'on a joué sur l'intensité et ils ont préféré ça que des mecs qui ont sorti des trucs. Ah, le lendemain, j'étais un mort vivant. Tu filmes en fait? Quoi? Tu filmes? Non. Décalé. Que je filme? Ah. Et donc, tu vois, je te disais, ouais, il y a un voisin. Et tu passes comme ça? Ça, c'est les biceps. Tu prends le muscle dorsal, mais c'est 80% des biceps. Si tu veux travailler ici, déjà c'est tout ce qui est rowing, ça c'est pas... Ouais. Ça, c'est ici et un peu la largeur. Ouais. Si tu veux un gros dos épais, que si par exemple de profil ici t'es big, et que ton... c'est tout ce qui est rowing ça frère. 8, je mets plus lourd. 6, je diminue de ouf, je fais les deux. 15, boum, okay, boum, ouais. Et après là je coupe. Quand j'ai commencé mon échauffement. Et après là, par exemple, je vais coupler le rowing à la machine comme ça. Ouais. J'ai fait ça par contre pour les gars. Ouais, il y a quoi à faire là alors? Faut déjà défaire sans priorité. Ouais, mais il y a qui? Ah là après. Après, il y a l'intro, il y a Maureen, il faut Maureen. Ah, il y a Al aussi, il faut Al aussi. Elle est bien la veste? Des bobs right table. Ça monte bien. Yeah. Are you going through? Yeah, we do a. You know. Il y a moi de ce côté-là. Il y a moi. You can arrive with the stick with the barbed wire, yeah. Maybe. And you can arrive with. I don't know, a chair or maybe. Je vais faire. J'allais faire une blague, j'allais faire une blague, j'arrive même pas à faire ma propre blague, putain. Bodyzone Wrestling 3. Aujourd'hui, on se retrouve. Je vais le laisser. J'arrive même pas à laisser ma vanne. Je vais le laisser, celui-là. Genre... Aujourd'hui, on se retrouve à Bodyzone. C'est le renouveau du catch belge, c'est le renouveau du catch francophone. C'est quelque chose qui avait jamais été fait dans les temps modernes. Et ça, on le doit à des gars comme... ouais, je peux pas le dire, les propriétaires veulent rester secrets, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment quelque chose de surréaliste. On a presque l'impression de passer dans une sorte de dimension parallèle. Il y avait le catch, et puis maintenant il y a Bodyzone. Je vous avoue que quand j'ai fait la route en venant de Paris ici, je suis monté dans ma BM. Et j'ai respecté évidemment le code de la route. Je suis venu jusqu'à cette belle ville, la belle ville de Framery, en Belgique. Et plus on se rapprochait, plus il y avait une tension dans l'air. Plus il y avait un buzz, plus il y avait, je sais pas, l'air était différent. Il y avait quelque chose de presque magique. Au début, je pensais que je m'approchais peut-être d'un monde de Narnia ou Harry Potter, enfin quelque chose de, vous savez, spécial, et au final non, c'était pas ça, c'était Bodyzone. C'est là où j'ai compris ce que je savais depuis longtemps, en tout cas ça me l'a confirmé, c'est que le catch, c'est la vie. Raise it up higher, higher. We're gonna go higher.
quoi, tu me poses-moi une question là, je peux pas improviser comme ça. En gros, comment tu sens ce bodyzoï, quoi, en grosso modo, quoi. Il y a beaucoup de bruit quand même. T'arrives à enregistrer là ? C'est bon. T'es sûr ? Ouais. Parle fort alors. Hein. Bodyzoï 3. Bodyzoï 3. Encore une fois, on compte sur Tristan Archer. Comme d'habitude. Là, il y a une belle carte, hein, mais clairement, les gens viennent pour moi. Les gens allument la télé pour moi. Les gens vont sur YouTube pour moi. Donc, je vais vous résumer le show. Ça sera une belle victoire de Tristan Archer. Une magnifique performance de Tristan Archer. Et voilà. Compte rendu de cette journée de malade, je pense qu'on a assisté à un show vraiment extraordinaire. Mais moi, je suis très content du taf. Non, un show énorme. Je le refais. Un show énorme. Ouais, c'est comme ça qu'on fait, merci. Ouais, ok. Bon, bah ouais, je pense qu'on a tout résumé. Très content de cette journée. Énormément de taf, mais vraiment, ouais, je suis vraiment très heureux du résultat. Et j'espère surtout qu'il vous plaira à vous, là, derrière votre écran. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne ici juste en dessous. Hein. On s'abonne, on like, tout ça, et on partage. J'aime bien comment il le fait très. C'est pas. T'as l'impression que t'as répété ça un petit peu à l'avance. Mais même pas, non. Ils ont éteint pendant ma promo. C'est terminé, c'est fini, les gars. Il y a un truc en tout cas que je kiffe vraiment à Bodyzoï, c'est qu'on sait pas vraiment qui est derrière. C'est une sorte d'entité un petit peu mystique qui est derrière l'élément Bodyzoï. À chaque fois, c'est pas super bien. Sauf que là, il va falloir quand même payer la note d'électricité. C'est fini en fait. Mais là, ouais, il y avait un compteur là pour la journée. Est-ce que le caméraman nous voit encore ou pas là? Ah, ouais. Impeccable. Ça, c'est une histoire de ISO, tu vois. Tu sais, le mec, il augmente les ISO, il les baisse, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, ça fait une lumière super, même en sombre. L'essentiel, c'est qu'on nous voit et que j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce show incroyable. Allez, ce show. Lourd. Énorme. Ah oui, énorme, pardon, j'avais oublié.